Bonjour mes petits camarades, nous sommes le mercredi 3 mars, ça y est on est passé au mois de mars, 2021. Et alors on est parti aujourd'hui faire une putain de balade avec la caméraman Alexandra. Je vous montrerai tout à l'heure sa tronche. Donc on est parti d'un lac inférieur pour monter vers un lac supérieur. Donc je lui avais promis à ma petite fille Alexandra que ça montait, après il y aurait du plat, et c'est vrai que ça monte, mais ça monte tout le temps. Ouais, et je vois même pas où est le plat, à part là. Bah oui, là c'est plat et ça redescend. Ouais, t'as de la chance. Sinon quoi? Sinon quoi? Tu m'aurais fait quoi? De mettre un coup de bâton encore dans les oreilles, comme tu sais bien faire? Ah, je fais jamais ça. Donc voilà son bâton, et elle me tape avec ça. Alors bon, là, c'est pas mon genre. Il n'y a plus de neige, il n'y a plus de glace, parce qu'elle, son plaisir, elle tape sur les arbres quand moi je passe. Pa! Bon, alors t'as des glaçons, des épines de pin. Et mais là, c'est le plus... soir, je rentre, je prends ma douche, il y a un arbre qui tombe de mon dos. Et mais là, c'est plus la saison pour avoir de la neige. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu veux bien trouver pour m'emmerder aujourd'hui? Mais la dernière fois, j'avais trouvé des feuilles. Oui, c'est vrai. Et alors, il y a Patricia Prunier qui t'a félicité et qui a dit, mais t'aurais dû en mettre plus. Je me demande s'il n'y a pas une coalition contre moi, quelquefois. Si t'es pas complice avec Patricia Prunier qui te dit, vas-y, bourre le dos de ton vieux avec des feuilles. T'en as pas mis assez, rajoute-en. Mais non, je suis pas comme ça, moi. Tu le jures? Oui, je le jure. Promis, juré, craché? Je le jure sur la tête à tout le monde. Je crache pas sur l'appareil. Hein. Là, t'es en pleine forme, en pleine santé, là. Ouais, d'être crevé la dernière fois. Tu respires à plein poumon, là. Ouais. Bon, on est le matin, j'ai oublié de vous préciser que ça fait déjà une heure qu'on marche. Hein. On part toujours de bonne heure avec ça Alexandra. Hein. Il est certain qu'on voit pas beaucoup de gens nous suivre. Ouais, mais par contre, ça sent le gaz. Où? J'ai l'impression que ça sent le gaz. Alors, tu sais comment ça s'appelle ça? Quoi? Hallucination olfactive. Non. T'as encore fumé je ne sais quoi cette nuit. Comment veux-tu que ça sente le gaz en pleine nature? Et je te jure que moi, j'ai pas pété. Hein. Juré! Eh, parce que tu dis ça sent le gaz, mais t'oses pas me regarder en fait. Ça sent le gaz, tu t'es encore oublié. Non, mais je sais quand ça sent le pet de papy. Tu t'es encore oublié, papy, hein? Alors, t'es énurétique. Maintenant, ça sent. T'es en coprésique et tu pètes sans t'en rendre compte. Ah, bah vas-y, faut être ma gueule. Non, moi? Ah, j'aurais dû me taire. Ah ben, comme d'habitude. Non mais moi, tu m'as dit que j'étais mûr pour la maison d'en haut. Donc je fais pipi, je fais caca, je pète. Je crois que c'est bon là. À l'époque tu sentais le gaz de ville. Hein. C'est pratique. Alors Alexandra, explique-moi, qu'est-ce que tu fous sur un piton rocheux, assis sur un rocher, t'es où? T'es à la foire du trône, t'es où là? Tu fais mumu sur un manège? Ouais. Alors explique un peu. J'ai eu la bonne idée de m'installer là pour prendre une photo là. T'as pas peur de tomber? Non. Même si elle vit de là et là. Parce que t'as pas le vertige? Non, j'ai pas le vertige. Parce que t'es comme pas? Oui. Voilà. Je croyais que t'allais me dire papa. Non, papy. Pourquoi papa il a le vertige? Non. Ah bon, ça. Donc dans la famille, on a pas le vertige. Allez, fais-nous dada, dada sur mon bidet. Quand il prout, il fait des paix. Prout, prout. Route jusqu'à j'y vais. T'as vu que j'ai des belles chansons, moi? Ah oui, là, attention, là. Ça s'appelle photo risqué, ça. Photo risqué, ça donne? Alors, je sais pas. Puis je vois rien. Ben moi non plus. Là, en fait, le soleil, il est derrière moi, donc forcément, on ne voit pas, là. Mais bon. On verra après. Tu sais ce qu'on dit? Mais j'ai pris en premier point, il y a le caillou. Après, au second plan, il y a la ville. Après, au troisième plan, il y a la montagne. Et au quatrième plan, il y a une autre montagne. En fait, on est entouré de montagnes. On a la montagne. Voilà. Mais c'est quoi ton truc? C'est Chamonix ou quoi? Chamonix. Bon, on est haut quand même. Alors, je vais montrer quand même. Je vais quand même montrer aux gens. Ah oui. Donc, on est là. Tu vois ma godasse là? Ah bah en dessous c'est le vide. C'est le vide! Non, il y a ma godasse qui est là. Et mon autre godasse qui est là. Mais t'as montré que c'est que t'étais assise là, vraiment sur l'arête.
Voilà. Alors, on ne peut pas aller plus haut. Hein. C'est nous les plus hauts, là. Ouais. On ne peut pas aller plus haut. Elle est assise. Voilà, on voit entre ces gens. Ah, c'est beau ton truc, regarde. Wow. Vous la voyez, l'arête, là? Arrête ton char, hein. Voilà. Donc, je vous montre la godasse. Il n'y a rien. En dessous, il n'y a rien. Elle vient de vous faire un bout de film, Alexandra. En dessous, il n'y a rien. C'est le vide. C'est le vide. Alors, voilà. Je suis monté sur le cheval de ma petite fille et je suis tout de suite derrière. Donc, vas-y, tu prends la caméra pour montrer que je suis vraiment derrière toi. Hein? Voilà. Donc, moi, je suis là, derrière elle. Elle est là, elle est là. Donc, je suis monté sur son cheval de roche. Et j'ai la gueule la moitié dans le vide. Tu vois mon pied, regardez, hop, 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 hop. Est-ce que tu l'as filmé? Hop, y'a rien là, t'as vu? Ciao!